Eva savait que c'était sûrement la dernière fois qu'elle le verrait. La dernière fois qu'elle verrait l'homme qui avait volé son cœur. Oh, Eva, tu vas avoir ma peau. Rendez-vous avec Jackie dans 20 minutes. Ah, Gabriel Auguste, j'ai déjà précommandé un exemplaire. Je l'adore, j'ai bloqué un week-end entier rien que pour lire son dernier roman. Je suis presque aussi impatiente de le lire que de voir son visage. Je suis sûre que c'est un homme très séduisant. Je ne peux pas, désolé. Je ne peux pas révéler au monde entier que je suis Gabriel Auguste. Ça fait partie de ton contrat, ce que tu savais quand tu as signé. Oui, mais en fait, je pensais pas que mon premier roman aurait du succès. Moi, si. Je t'avais dit que ce serait un best-seller, non? Mais je croyais que tu disais ça par simple gentillesse. Oh, je te connais depuis que tu es née. Je suis toujours franche avec toi. Tu ne peux pas rester anonyme éternellement. Les lecteurs ont un lien particulier avec les livres qu'ils aiment. Ils veulent connaître l'auteur, se sentir proche de lui. Tu as beaucoup de succès, Liam. Pourquoi est-ce que tu as du mal à l'accepter? Tiens, pendant que j'y suis, tu dois rendre le manuscrit de ton prochain roman très bientôt. J'ai pas vu la trace d'un seul chapitre. Oh, eh bien, j'en ai écrit plusieurs des chapitres, mais il se trouve que la plupart ont atterri au fond de la poubelle. Je vois. Ton agent te conseille de retrouver l'inspiration au plus vite, parce que ton contrat stipule que tu dois encore fournir 2 livres à ta maison d'édition. Tu es sûr qu'il n'y a aucun moyen de les convaincre de reporter la révélation de Gabriel Auguste? Non, ça a été presque impossible de les faire patienter aussi longtemps. L'heure est venue. Et si tu allais passer quelques semaines dans la maison de Portland? De mon côté, je vais essayer de faire déplacer la révélation là-bas. Tu as écrit Sous un ciel étoilé à Portland en moins d'un mois. Je prenais pas ça au sérieux. Tu l'as écrit parce que Catherine t'avait brisé le cœur. C'est le seul endroit où tu arrives à te remettre les idées en place. C'était pareil pour tes parents. Je me souviens quand ta maman m'a dit qu'ils voulaient acheter une maison là-bas. Je me disais qu'ils avaient perdu la tête. C'est loin de tout. Mais c'est devenu leur refuge. Passe quelques temps loin de New York, change-toi les idées. Et tiens-toi prêt à commencer le prochain chapitre de ton existence. Je suis persuadée que ce sera le meilleur. Je vais prendre votre bagage. Le taxi m'a déposé devant un autre terminal. C'est à peine si je peux marcher en talons, alors courir, vous pensez? Vous êtes en première classe, siège 1C. Vous êtes sûr? Vous êtes surclassé. Vous plaisantez? Ça arrive jamais. C'est sûrement votre jour de chance. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Première classe. J'ai l'impression d'être une star. On vous donnera même une coupe de champagne si vous voulez. Non, non, ça va, c'est inutile. Et d'accord, mais Justine. Mais j'ai énormément de travail, alors je vous rassure, je vais pas vous rebattre les oreilles pendant tout le voyage. Vous vivez à New York? Non, non, je rentre chez moi, à Portland. J'étais à New York pour passer des entretiens d'embauche. Ah, ça s'est bien passé, j'espère. On verra. Tout le monde s'est montré très gentil. Peut-être trop gentil. Je trouve toujours difficile de savoir ce que les gens pensent réellement. Je préférerais qu'ils soient complètement honnêtes. Les choses seraient tellement plus faciles comme ça. Pas toujours. La vérité peut faire mal aussi. Pas autant que les mensonges. On dirait que vous dites ça par expérience. C'est si évident que ça. Champagne? 2 coupes. Oh, bien volontiers. Un vol agréable. À une place où j'ai assez d'espace pour allonger mes jambes. Votre roman a l'air captivant. Il est bien?
Il cherche à l'être, si vous voyez ce que je veux dire. Le dernier Gabriel Auguste? Je croyais qu'il n'était pas encore sorti. J'ai eu un exemplaire en avance. Vous lisez Gabriel Auguste? Non, mais je sais qui il est. Ah, parce que vous n'avez pas vraiment le profil du lecteur habituel. Vous trouvez celui-ci mauvais? Non, pas du tout. C'est pas ça. Le souci, c'est que son premier roman, Sous un ciel étoilé, était vraiment un livre excellent. C'est vrai? Je pense que si son premier roman a été un si grand succès, c'est parce qu'il était écrit avec une profonde sincérité. On avait l'impression de connaître les personnages. Je devrais peut-être essayer de le lire. Absolument. Mais celui-là, à mon avis, il vaut pas le coup. Il est assez décevant. Il manque d'authenticité, en fait. On dirait que l'auteur a mis son premier roman dans un mixeur avant de mélanger le tout et de coller un nouveau titre sur la couverture. Waouh! Vous êtes dur. Oui, mais c'est juste que... Auguste a un énorme potentiel. Je serais déçue qu'il le gâche. Vous avez entendu parler de ça? C'est une sorte de technique de marketing. Il entretient le mystère. Je trouve ça un peu ridicule. Pour vous, c'est du marketing? Oui, forcément. Il a sûrement ses raisons. Quelle qu'elle soit, il semblerait que ça fonctionne parce que, comme à peu près toutes les femmes de ce pays, je vous avoue que... Je suis assez curieuse de découvrir l'homme qui se cache derrière ce nom. Mesdames et messieurs, le commandant a entamé notre descente vers Portland. Nous atterrirons dans peu de temps. Et voilà. Tout est fichu maintenant. Je pourrais plus jamais remonter dans un bus après ça. Je vais continuer mon livre. Oui, dans la journée. D'accord. Attendez. Ah, vous êtes là. Vous êtes pressé, on dirait. Oui, j'ai une réunion au bureau, je suis pas très en avance. Vous avez besoin d'aide pour porter ça? Je crois que c'est plutôt vous qui auriez besoin d'un coup de main. Excusez-moi, je suis très pressée. J'ai apprécié de discuter avec vous. Oui, moi aussi. Au revoir. C'est rare qu'il y ait tant de queues pour les taxis à cette heure. J'ai pas de chance. Mon patron va me tuer si j'arrive en retard. Je peux vous déposer si vous voulez. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais monter dans une limousine avec un inconnu rencontré dans un avion. Votre mère vous donne des conseils extrêmement précis. Allez, venez. Vous pourrez étendre vos jambes comme en première. Si c'est ce qui vous retient, on peut partager le pourboire. Mais je sais même pas comment vous vous appelez. Lia. Sophie. Bon, allons-y, maintenant qu'on n'est plus des inconnus. Alors, vous disiez que vous viviez à New York? En grande partie. J'aime passer du temps à Portland aussi. J'adore cette ville. Qu'est-ce que vous faites? Je suis consultant freelance. Ah. Est-ce que vous avez des projets pour ce soir? J'ai prévu de sortir, oui. Mes deux meilleurs amis célèbrent leurs fiançailles ce soir. En fait, ils ont été seulement amis pendant des années et ils sont tombés amoureux. Je m'y attendais pas du tout. Et entre nous, j'ai un peu de mal à m'y habituer. Mais c'est une bonne chose. C'est fantastique. Ouais, c'est bon, on gère la circulation. On dirait que la route est bloquée. Ouais, faut mettre un palo un peu plus haut, là. Faut bloquer, là. J'ai déjà beaucoup de retard et je travaille juste à côté, seulement à quelques pâtés de maison d'ici. Je ferais mieux de continuer à pied. Ah, oui, d'accord. Eh bien, si jamais vous... Oh, oui, c'est vrai. On partage le pourboire. Ah, non, je vous en prie. Non, c'est pas la peine. Oh. D'accord. Mes amis vont avoir du mal à me croire quand je leur dirai que j'ai voyagé en première classe et qu'on m'a conduite en limousine au travail dans la même journée. Ça vous dérange si je prends une photo? Non, pas du tout. Allez-y. Merci. Attendez, à mon tour. Thank you.
Ce fut un plaisir. Au revoir. Au revoir. Je reviens dans une minute. Ça a donné quoi? Il y a 2-3 magazines qui sont intéressés. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de vivre à New York. Tu auras pas forcément le choix, tu sais. Je sais pas pendant combien de temps le journal va survivre. Vraiment? C'est si grave que ça? Berkman a viré 4 autres employés pendant ton absence. Les choses s'arrangent pas du tout. Elles empirent. Sophie, qui êtes-vous? L'équipe n'a pas encore perdu un seul match cette saison, et après cette nouvelle victoire, il semble évident que rien ni personne ne peut l'arrêter. Oh, il est mignon, dis donc. Il est loin d'être aussi mignon que toi, bien sûr, mais il est carrément canon, c'est qui? Il était assis à côté de moi dans l'avion, et une chose en entraînant une autre, il m'a déposé au journal. En limousine? C'est pas croyable, tu es monté en voiture avec un inconnu? Écoute, je doute qu'il soit très dangereux, il était en première. Quand est-ce que tu le revois? Non, c'était pas le but. Puis d'ailleurs, j'ai même pas son numéro. Comment ça se fait? T'es devenue insensible au type canon? C'est vrai, je préfère les hommes agréables à regarder. Je ne dis pas le contraire, mais le physique doit pas être le plus important. Ça, c'est fini. Au fait, pourquoi il était en limousine? Est-ce qu'il est célèbre ou il est juste super riche? Rien de tout ça. Il m'a dit qu'il bossait dans le consulting, quelque chose dans le genre. C'est un type normal, Drew, ok? Hey, mec! Tu vas me coller à chaque action? Aucun problème! Mais t'étonne pas si après je démonte ta ligne d'attaque, mec. Harris, tu veux bien changer de chaîne? Regarde-le, il se la joue trop. Je vous préviens, Saint-Louis, c'est votre tour. On va vous tuer dimanche prochain, pas vrai, mec? Bon débarras. Mais t'étais trop bien pour ce sale voyou, de toute façon. Ça va? Oui, ça va. J'adore voir mon ex sur des écrans de télévision partout où je vais. C'est sans compter le bonheur de savoir que le monde entier est au courant qu'il m'a trompée. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que j'avais aucune idée de ce qu'il faisait. C'est dingue que je m'en sois pas rendu compte. C'est un faucheton, il s'est moqué de toi, voilà tout. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Je dois partir du principe que chaque homme que je rencontre est forcément un menteur? Pas chaque homme, non, la majorité. Il faut seulement que tu patientes jusqu'à ce que l'homme de ta vie fasse son apparition. Crois-moi, Sophie, tu trouveras beaucoup mieux que lui. Elle l'a peut-être déjà trouvé. L'homme à la limousine a l'air très intéressant. Non, chérie, arrête. C'est une très mauvaise idée. Elle sort d'une rupture difficile. Une rupture publique, en plus. Elle devrait prendre son temps, croyez-moi. Non, pas du tout. Au contraire, il faut qu'elle sorte et qu'elle rencontre des gens. Non, tu te trompes. Je sais ce que je dis. Hé, ça suffit, vous deux, on se calme. Ça va aller, d'accord? Bien sûr que je préférerais que ma vie amoureuse ne soit pas accessible à la terre entière sur pratiquement tous les sites people au monde, mais c'est ce qui arrive quand on sort avec une célébrité. Vous en faites pas, je vous assure que je vais parfaitement bien. Parfaitement bien, tu es sûre? Eh bien, j'en suis plus très loin. Je ne suis là que depuis 2 jours, mais je sens que ça commence à revenir. J'ai relancé la machine Gabrielle Auguste. Elle monte en régime et elle est prête à foncer. Tout se passe bien, alors? Parfaitement bien. C'était une bonne idée de venir ici. Tant mieux.
Je commençais à me faire du souci. Tu n'as pas écrit une seule ligne, je me trompe. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'entends à ta voix. Tu es beaucoup trop détendue. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas un peu de bon temps? Sors avec tes amis ou tiens, avec une femme, ce serait bien. Justement, j'ai rencontré une femme charmante dans l'avion. Parfait. Appelle-la. Je connais pas son nom de famille et je sais pas du tout où la trouver. Tu es incapable de faire les choses simplement, on dirait. Or, j'ai changé le lieu de la révélation de l'identité de Gabriel Auguste. Elle aura lieu à la librairie Jasper à Portland, comme ça tu seras obligé de faire l'aller-retour à New York. Alors ça va vraiment se faire. Je serai là, ce sera Liam et Jackie côte à côte, comme toujours. Oui, mais c'est moi qui vais me retrouver face à des dizaines de personnes. Je sais bien que ça va être difficile pour toi de lever le voile sur le mystère Gabriel Auguste, mais enfin, tu peux pas continuer à vivre deux vies. C'est une bonne chose, tu entends? Est-ce que j'ai déjà failli? Ça m'a tout l'air d'une question piège. Je te donne un coup de fil quand j'arrive. Et tu me feras visiter ta ville, monsieur Portland. C'est noté? Ouais, c'est noté. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bon, comme vous vous en doutez, on a reçu nos derniers chiffres et ils sont pas beaux à voir. Les ventes ont chuté de 23% comparé à la même période l'année dernière. J'ai discuté avec les grands pontes et à partir de maintenant, il faut qu'on pimente plus nos papiers. Il faut que vos articles soient mordants et percutants. Si vous alliez pondre un truc bourré de bons sentiments sur la Ligue de Baseball Junior, vous oubliez et vous essayez de savoir quand les Trailblazers virent leur coach. Ils veulent qu'on fasse du bruit. Ils veulent que l'on soit lu et relu sur tous les réseaux sociaux. Toutes les critiques, bouquins, films, gastronomie, plus rien de tout ça n'est pas mal. C'est soit fantastique, soit jeté dans le caniveau. Les opinions sont extrêmes maintenant. Mais on ne va pas écrire des critiques qui ne reflètent pas notre opinion. Si c'est indispensable, alors si, faites-le. C'est comme ça qu'on attire des clics sur le site et de nouveaux abonnés. C'est pas l'idéal, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà. J'aurai une nouvelle mission pour vous dans quelques jours. Je veux être fier de vous. Sophie, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Après un discours si motivant, j'ai presque peur de le savoir. La critique que tu fais sur le roman de Gabriel Auguste... Phil, je vais pas massacrer le livre dans ma critique uniquement pour faire le buzz. J'ai mieux à te proposer. Je viens d'apprendre que Gabriel Auguste fera son annonce officielle à la librairie Jasper demain soir, ici même à Portland. Couvre l'événement, on publiera avec la critique. Une seconde, il va révéler sa véritable identité ici? Pourquoi à Portland? C'est ton job de le découvrir. On va enfin le voir. Tiens, c'est juste ici. Ils seront prêts dans quelques minutes. D'accord. On doit avoir le trac, c'est un grand jour. On respire, Liam. C'est une bonne chose. Une fois que ce sera fini, tu pourras arrêter de mener deux vies. Je ne serai plus seulement Liam Bradley. Les gens ne sont plus intéressés que par Gabriel Auguste. C'est lui que je serai à partir de maintenant. Tout va bien se passer, je te le promets. Tu vas voir, ça va te faire un bien fou de te libérer de ce secret. Ça y est, je crois que c'est l'heure. On va pas les faire attendre. Je dis quelques mots en introduction, toi tu attends ici, je te montre du doigt et c'est fini. Le monde rencontre Gabriel Auguste pour la première fois. Ok, je suis aussi prêt que je peux l'être. Tu vas faire un malheur, ils vont être fous de toi. Tiens, va t'asseoir, il y a une place devant. Compte sur moi. Votre attention, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes tous aussi excités que moi d'être ici ce soir. Avec 3 millions de romans vendus dans le monde ces 3 dernières années, Gabriel Auguste nous a tous touchés au plus profond de notre cœur. Il nous a fait tomber amoureux et pleurer. C'est avec un immense plaisir que je vous présente ce soir l'homme qui se cache derrière ces histoires extraordinaires. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir applaudir l'auteur que vous avez découvert sous le nom de Gabriel Auguste. Mon petit doigt m'a dit que je te trouverais ici. C'est à bord de ce bateau que tu as toujours préféré écrire. Toi, on ne peut rien te cacher. Non. Et tu ferais bien de t'en souvenir, d'ailleurs. Liam, mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin? J'étais plantée là comme une idiote. Le doigt pointé sur du vide. Je suis désolée, c'est que j'ai paniqué. Tes éditeurs sont furieux, tu sais. Ils menacent de révéler eux-mêmes ton nom et des informations sur toi au public. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ne le feront pas, enfin pas tout de suite. Je leur ai dit que s'ils le faisaient, on les poursuivrait. Devant les tribunaux et tous les médias imaginables.
Toi, tu ne dois pas être populaire chez Harris Kingsfield. Mon travail n'est pas d'être populaire, mais de prendre soin de mes clients, y compris ceux qui essaient de me rendre folle. J'ai d'autres mauvaises nouvelles. J'ai l'une des premières critiques d'Au pied du phare. Tiens, regarde. Elle n'est pas très positive. L'auteur essaie de faire naître l'émotion sans grande conviction. Ah, ça, alors c'est elle? Qui? Sophie, la femme de l'avion et de la limousine. C'est pour ça qu'elle était à la librairie. Elle écrivait un article sur Gabriel Auguste. C'est incroyable. Ah, incroyable? Mais qu'est-ce que tu diras le jour où tu liras une mauvaise critique? Je dois y aller, désolé. À plus tard. Liam! Il faut que je la retrouve. Liam! Il faut qu'on trouve une autre date pour la révélation. Je t'appelle plus tard. Liam! Oh, Liam! Oh. Liam? Sophie? Désolée, excusez-moi, c'était ma faute, je suis... Non, c'est moi, excusez-moi. Il n'y a pas de loi qui interdit de marcher en utilisant son téléphone, ici. C'est interdit, chez vous? Oh. D'accord. Vous avez l'air pressé, vous allez où? Je rentre chez moi. Je sors juste du travail, je suis critique littéraire au Portland Report. Oh, c'est vrai? Mm-hmm. Ça doit être intéressant. Écoutez, je sais qu'on se connaît pas, ou alors à peine, mais... On pourrait aller manger un morceau, un de ces jours. C'est très gentil à vous, Liam, mais je dois dire non, j'ai beaucoup de travail. Ah, allez, vous mangez et je mange, si on mangeait à la même table. Eh ben, vous êtes tenace, vous. Je ne le suis pas en général, mais quelque chose me dit que là, ça vaut le coup d'insister. Un dîner, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, non. Je crois que je vais prendre ça pour un oui. Avec Liam, leur fils de 10 ans. T'es vraiment tombée sur lui par hasard dans la rue? J'appelle ça un coup du destin. Doucement, y a pas de quoi s'emballer. Mais je t'ai pas dit le plus intéressant. J'ai découvert que ses parents étaient Devon et Hélène Bradley. Le couple d'acteurs? Arrête, tu plaisantes? Non. T'en es sûre? Oui, j'ai vu une photo de lui avec eux. Eh ben, ça explique pourquoi il avait une limousine et qu'il était en première classe. Ses parents étaient des célébrités. Il avait que 19 ans quand ils ont été tués dans l'accident d'avion. C'était si triste. C'était horrible. Dis, tu trouves pas ça étrange qu'il ait pas abordé le sujet? Qu'il cache une chose aussi importante? Tu viens de le rencontrer? Pourquoi il te raconterait l'événement le plus traumatisant de sa vie alors que vous avez pas passé une seule soirée ensemble? Oh, t'as raison, c'est vrai, c'est que... Le souci, c'est que... Tu es parano, Sophie, c'est ça le souci. Les hommes n'ont pas tous des choses à cacher comme James. Donne une chance à Liam, d'accord? Oh, hein. Peut-on savoir qui est ce dénommé Liam? L'homme avec lequel Sophie a rendez-vous. C'est pas un rendez-vous, on va juste dîner. De quoi tu as peur? Soit il te plaît, soit non. Je sais, je crois qu'il me plaît, c'est que... J'aimerais le connaître un peu mieux. Hé, Atterri, c'est à ça que ça sert un rencard, à connaître une personne. Ouais, je croyais connaître James. Je l'ai jamais aimé, lui. C'est vrai? Tu l'aimais pas? Vous aviez senti avant moi que quelque chose clochait. C'est ça, la solution. Je vais vous présenter Liam et vous me direz ce que vous pensez attends, de lui. Tu nous demandes d'évaluer cet homme? Oui, c'est une super idée. Oui, laisse-moi jeter un coup d'œil à ce garçon. Merci, Harris. En arrêtant de répondre au téléphone que tu vas te débarrasser de moi. Je t'assure que je n'essayais pas de t'éviter. D'accord, peut-être, mais c'était pas pour cette raison-là. J'ai passé la journée à écrire, vois-tu? Oh, c'est fantastique. Eh bien, entre nous, c'était loin d'être fantastique, mais c'est déjà un bon début. Les mots commencent à venir. Et je les aime pas quand je les vois écrits. C'est donc pas un problème de page blanche, mais plutôt un problème de qualité, selon toi. Oh, regardez comme il est élégant. Je l'ai trouvé. Sophie, je vais dîner avec elle. Tu es tombée sous le charme de cette femme, on dirait. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue dans cet état. En fait, quand on s'est rencontrés, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Elle n'est pas comme les autres femmes. Elle est fascinante et
et unique. C'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'elle pense. Comment tu sais ça? Je te connais comme si je t'avais fait après tout ce temps. Je suis nerveux quand je suis avec elle, mais dans le bon sens. Moi aussi, je serais nerveuse si je sortais avec quelqu'un qui a détesté mon roman à ce point. Elle n'est pas au courant? On n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Je vais te laisser te préparer pour ton dîner, Liam. Mais je t'en prie, fais attention. C'est suffisamment difficile pour moi de te regarder te débattre avec une double vie. Je doute que tu aies la force d'emmener une triple. Bonsoir, elles sont pour vous. Oh, merci beaucoup, elles sont magnifiques. Je vous en prie. Chut, il arrive. Salut. Bonsoir. C'est drôle, j'étais juste en train de me préparer et là, par hasard, ils ont... Drew et moi, on avait un livre à rendre à Sophie et comme on passait dans le quartier, voilà. Oui, je vais vous présenter. Drew, Nina... Voici Liam. Enchanté. Plus de limousine? J'ai ma propre voiture. Alors comme ça, vous vivez entre Portland et New York. C'est pas très courant. Vous êtes consultant dans quel domaine exactement? Drew, tu vas pas lui faire subir un interrogatoire? Je croyais que c'était pour ça qu'on était venus. Et si on s'asseyait une minute pour boire un verre? Oui, c'est une excellente idée. Et par la même occasion, on va pouvoir faire mieux connaissance avec Liam. Super. Et vous êtes resté combien de temps au Guyana? J'y étais pour 24 mois, en volontariat. C'était un pays extraordinaire. J'imagine que ça a dû être difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite, mais je me réengagerai tout de suite. Waouh, vous êtes plein de surprises. Eh bien, on va vous laisser. On devrait sortir tous ensemble à l'occasion. Absolument. Ouais. Et Drew, je vous prends au mot. On ira faire quelques paniers. Je suis pas LeBron James, mais je me débrouille. Ok, mais je vous préviens, sur le terrain, je fais 25 cm de plus et j'ai une détente d'un mètre. Alors... Amusez-vous bien, les enfants. Au revoir. Et merci d'avoir pensé à mon roman. Il vous apprécie, je crois. C'est bon à savoir. Mais c'est pas à eux que je cherche à plaire. Je vous apprécie, moi aussi. C'est tout à fait ce que je voulais entendre. Vous êtes prête, on va dîner. Je connais un endroit parfait. D'accord. Ça a été un choc. Nina, Drew et moi, on était amis depuis toujours. Comment ça a commencé entre eux? En fait, je crois qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre depuis des années, mais ils devaient avoir si peur de gâcher leur amitié qu'ils préféraient ne pas se l'avouer. Et cette tarte, elle est bonne? Un vrai délice. Excellente comme toujours. C'est vrai, tout était délicieux. Vous le pensez ou vous dites ça parce que vous croyez que c'est ce que je veux entendre? Non, c'était vraiment très bon. Oh. Ah, désolée. Je dois répondre, c'est le journal. Alors, Liam, vous avez déjà été marié? Non. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui cloche chez vous? Alors, il n'a pas déclenché de signal d'alarme, vous êtes sûr? On l'a adoré. Oui, même Drew qui était prêt à en découdre avec lui avant de le rencontrer. Et ce dîner? On passe une bonne soirée, mais il n'a pas encore parlé de ses parents et il change de sujet à chaque fois que je pose des questions sur son travail. Laisse-lui le temps. Et comment il s'en sort avec Harris? Ça a l'air assez tendu. J'aurais peut-être pas dû le laisser seul. Écoute, tu me tiens au courant, d'accord? Liam a l'air d'être quelqu'un de fantastique. Au revoir. Et voilà, c'est la recette de la tarte à la pêche que vous avez mangée. C'est la meilleure que j'ai jamais goûtée, c'est sincère. Je peux? Vous êtes en pleine discussion? Oh, on a fini, viens là, assieds-toi ma grande. J'étais en train de parler de Lola avec Liam et je lui expliquais la raison pour laquelle j'ai donné son nom au restaurant. Je croyais que tu n'aimais pas parler de Lola. Je raconte pas cette histoire à tout le monde, mais Liam, lui... J'ai l'impression qu'il a compris. Je suis désolé que vous l'ayez perdu si tôt. Ah, il vaut mieux avoir aimé et perdu celle que l'on aime que le contraire, pas vrai? J'aime à penser qu'elle est ici, avec moi, tout le temps. C'est un plaisir, Liam. Pour moi aussi.
Oh, et la prochaine fois que vous venez, vous devez à tout prix goûter la mousse au chocolat, elle est à tomber par terre. Avec plaisir. Quoi? Non, rien, waouh. Vous avez dû lui faire forte impression pour qu'il vous parle de Lola. Et c'est bon signe? Oui, c'est un excellent signe. T'es sûre? Harris a aimé Liam. Il est sous le charme. On dirait qu'il a réussi ton petit test, non? Oh, la main en plus. Oui, mais il évite toujours le sujet de son travail et de sa famille. C'est... J'ai l'impression qu'il peut parler sans retenue de certains sujets, mais qu'il est complètement fermé quand on en aborde d'autres. Je pense que c'est pas de lui que vient le problème, mais de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, d'accord, tu as du mal à faire confiance. C'est normal avec le passif que tu as. Mais fais attention, ne projette pas tes angoisses sur Liam. Ce serait pas juste. D'accord, mais je voudrais quand même faire un dernier test. Je me suis sentie tellement plus à l'aise hier après votre rencontre avec lui, et vous l'avez trouvé super. Sophie... Non, écoute, juste un tout petit test. Je veux le voir à son travail. Je veux voir en quoi ça consiste, en fait, ce boulot de consultant. Tu vois? Il n'y a pas de mal à ça. Allez, viens. Allez, viens! Je suis occupée, j'ai trouvé l'inspiration. Je suis ravie de l'apprendre, mais on doit se voir pour planifier une nouvelle date pour la révélation. Non, pas aujourd'hui. Alors rendez-vous à 13h au River Village. Je nous ai réservé une table en terrasse et tu peux venir à pied de la marina. On peut se voir un autre jour? À tout à l'heure. Salut. Je voulais vous appeler, mais je voulais pas vous déranger au travail. Justement, je me disais la même chose. J'espère que je vous dérange pas. Non, pas du tout. J'ai passé une très bonne soirée. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que c'était? Vous êtes à la marina? Oui, je dois retrouver une cliente au River Village à 13h. Déjeuner professionnel. Une cliente? C'est super. On peut peut-être trouver un moment pour se revoir. Oui, j'en serais ravie. Il faut que j'y aille. Plus tard. Au revoir. Donc, j'ai reprogrammé la révélation pour ce vendredi à 18h. Et je suis prête à te menotter à moi si j'y suis forcée. Non, non, ça peut pas tomber plus mal. Sophie et moi, on commence à peine à se connaître. Tu ne lui as pas encore avoué qui tu étais? Dès qu'elle saura que je suis Gabriel Auguste, je ne serai plus rien d'autre à ses yeux, ni aux yeux du monde entier. Comment peux-tu en être aussi sûr si tu ne lui fais pas assez confiance pour le lui dire? Tu sais comment c'était pour mes parents. Les gens les traitaient différemment parce que c'était des stars. Salut. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. C'est elle. Elle est très jolie. Bonjour. Sophie, ça alors, quelle surprise. Désolée, je devais aller voir quelqu'un pour un article pas très loin d'ici. Et là, je me suis souvenue que vous déjeuniez ici, alors... Vous êtes passée me dire bonjour. Ça a l'air bizarre, je sais. J'ai agi sur un coup de tête, j'ai pas réfléchi. Je vous laisse déjeuner. Vous êtes Jackie Bilix? Oui. L'agent littéraire? Oh, je dois dire que je n'ai pas l'habitude d'être reconnue en dehors de New York. Ah, oh, ça alors, j'étais là quand vous avez fait votre discours au symposium de littérature de Brooklyn en 2011. C'était vraiment passionnant. Jackie, je te présente Sophie Atkinson. Je suis ravie de vous connaître, Sophie. Il se trouve que je suis critique littéraire au Portland Report. Et je pense que je vous dois des excuses à vous et à Gabriel Auguste, que je n'ai pas été très tendre avec son dernier roman. Aucun besoin de vous excuser. Vous ne faites que votre travail. J'ai du mal à croire que vous ne m'ayez pas dit que vous connaissiez l'agent de Gabriel Auguste. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Oh, non, 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 non. Voyons, on ne fait que discuter, vous ne nous dérangez pas. Je vous en prie, asseyez-vous. J'insiste. Oh. Merci. J'essaie de convaincre Gabriel qu'il se sentira plus léger une fois qu'il aura révélé au monde entier qui il est. Mais les hommes, vous savez, ils sont si têtus. Mais il est toujours prévu qu'il se révèle. Oui, bien sûr, ce vendredi. Oui, même si pour ça, je suis forcée de le traîner par la peau des fesses. Je me demandais, au risque de passer pour une adolescente, comment il est en vrai? Eh bien, c'est un homme intelligent, même très intelligent quand il veut. Il a un véritable talent, il est très bel homme. Il est aussi obstiné,
Il peut être excessivement secret et parfois, il a autant de bon sens que mon caniche. Oh, vous savez, je me sens coupable d'avoir écrit une critique négative, mais pour être honnête, je souhaite profondément que son prochain roman soit exceptionnel, comme son premier. Et peut-être qu'il écrira mieux sans secret à cacher. Peut-être que son prochain roman sera un chef-d'œuvre. Je l'espère de tout cœur. Bon, j'ai un article à rendre, je dois absolument me mettre au travail. Je suis si contente d'avoir pu discuter avec vous, Jackie. Oh, moi aussi. Et la prochaine fois que vous passez à New York, appelez-moi, on ira déjeuner. Oh oui, volontiers. Oh, on se voit plus tard. Bien sûr, je vous appelle. D'accord. Oh, ma serviette. Wow. Je te remercie, Jackie. Il faut que tu le lui dises. Avant que cette relation ou quoi que ce soit qui est entre elle et toi n'aille plus loin. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai jamais dit que ce serait facile. Je pense jamais à venir me balader dans le parc. C'est dommage, c'est vraiment beau ici. Je viens tous les jours au coucher du soleil. Ça m'aide à me vider la tête. C'est l'un des endroits que je préfère dans cette ville. Pourquoi Portland ? Quelque chose me dit qu'en ce moment, vous pourriez être n'importe où. Ah oui, je pourrais vous poser la même question. Ben, c'est chez moi, ici, j'y vis. Je vous dis tout ? Allez, dites-moi tout. Je venais souvent quand j'étais enfant. J'ai toujours adoré cette ville. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, je suis pas douée pour ça, mais il faut que je vous avoue quelque chose. Oh, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ben, je sais qui vous êtes en réalité. Oh, je vois. Et vous ne m'en voulez pas ? Pourquoi je vous en voudrais ? Parce que je vous ai caché la vérité. Non, c'est votre vie privée et je suppose que ça a dû être difficile de grandir avec des parents si célèbres. Vous parlez de mes parents ? Oui, c'est vrai. C'était assez compliqué. La vie sous les projecteurs, c'est difficile. Croyez-moi, je suis au courant. Ah oui ? Je suis sortie avec un homme célèbre et ça a été une mauvaise expérience. On allait se marier, pour tout vous dire, et je l'ai quitté il y a de ça quelques mois. Vous étiez fiancée ? J'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt, je suis... Non, ce n'est rien. Vous avez souffert ? J'ai eu du mal à m'en remettre au début, mais ça va beaucoup mieux depuis quelques jours. Je suis ravie de l'entendre. Je sais ce que c'est que de traverser une épreuve devant les médias. C'est vrai. Vos parents, cet accident, je suis désolée, je me mets à votre place, ça a dû être terrible. Vous n'aviez que 19 ans, c'est ça ? J'étais en première année de fac à Berkeley. J'ai abandonné mes études après leur mort. Puis j'ai voyagé à droite, à gauche. Vous avez fait du volontariat ? Ouais. Il fallait que je bouge, que je reste occupé. Je suis allé partout dans le monde. Au fil des ans, j'ai vécu à New York, à Lisbonne, Miami, Austin et en Australie aussi pendant quelques mois. C'est incroyable. Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais voir le monde. J'ai vécu à Portland pendant toute ma vie. Vous avez de la chance, c'est une ville fantastique. Ouais. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. L'un des magazines pour lesquels j'ai passé un entretien à New York me propose un poste chez eux. Mais c'est un nouveau départ. Je vais pas avoir trop le choix, je crois. Le Portland Report ne va pas survivre longtemps. Je trouve que c'est une belle opportunité. Et pourtant, moi j'ai l'impression de courir tout droit au désastre. Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez une chance de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de changer de vie si ça vous tente. Parfois, je donnerais n'importe quoi pour repartir de zéro. Voilà, on y est. Vous savez, c'est vraiment facile de parler avec vous. Ça l'est pas toujours, mais ça va tout seul avec vous. Merci. De quoi ? J'en sais rien. D'être Liam Bradley. Si j'étais pas déjà fiancée à Drew, j'aurais été tentée de te piquer Liam. J'avoue qu'il est parfait. Il doit avoir un truc horrible à cacher derrière ses airs d'homme idéal. Arrête avec ça, s'il te plaît. D'accord, aucun homme n'est parfait, mais peut-être qu'il est tout simplement idéal pour toi. J'aimerais pouvoir le croire. Alors, crois-le. C'est pas faute d'essayer.
J'ai beaucoup de difficultés à faire de nouveau confiance à un homme. C'est ça le souci. Je sais que James t'a fait souffrir, mais tu dois faire attention. Sinon, tu vas perdre Liam maintenant parce que tu es terrifiée à l'idée de le perdre plus tard. Salut, Jen. Tu crois qu'on pourrait se voir dans les jours qui viennent? Voilà, j'ai quelques idées pour un site internet et j'aurais besoin de conseils techniques. Oui, mardi, c'est parfait. Ok, à mardi, alors. Oh, oui, j'adore cette ville, elle est très sympa. Plus que New York? C'est complètement différent, c'est magnifique, New York, vraiment. La vie là-bas, c'est extraordinaire. Et sinon, vous connaissez bien Portland? Si vous avez besoin de conseils, je viens depuis que je suis enfant. Tiens, je retrouve des amis dans un club ce soir. Vous devriez venir, il y a une bonne ambiance. Ah, je suis pas très bon danseur. Mais je vous montrerai quelques trucs, vous serez le roi de la piste à la fin de la soirée. On y sera vers 20h30. C'est le Francfort, ça se trouve sur Burnside Street. J'espère que vous viendrez, ça a été un plaisir. Moi aussi. Ah, salut! Ah, salut! Et tu sais quoi? Tu viens de manquer l'homme le plus canon de la Terre. Ah, c'est vrai? Je crois que je lui plais. Mais je suis pas sûre. C'est difficile à dire des fois, non? Je l'ai invité à sortir. Tu crois qu'il m'a trouvé trop direct? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je l'ai pas laissé en placer une, en fait. Je supporte pas qu'on me dise non. Bon, bah, je le saurai ce soir. On monte? Bergman va nous tuer si on est en retard. Allô? Je me demandais si tu m'appellerais ce soir. Je suis passé au journal tout à l'heure. Je voulais te proposer d'aller déjeuner. Oh, c'est vrai? J'ai dû te rater, dommage. Y a du bruit derrière, t'es en voiture, on dirait. Tu fais quelque chose de spécial ce soir? Non, je suis sorti un moment pour m'aérer. J'ai pris du retard sur un projet de boulot. Je vais passer la soirée à travailler. À travailler? Ah, c'est pas très tentant comme programme. Je sais, je suis pas pressé de m'y mettre. Mais c'est toujours bon pour demain soir. A priori, si t'es toujours partant, bien sûr. Bien sûr que oui. Je te dis à demain. À demain? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, j'aime bien. Sérieux, ça. On était obligé, tout le monde allait le voir. Ouais, ça marche. Ok, c'est pas un problème. Franchement, il me tue. Je crois que je l'ai croisé une fois. Tu l'as déjà fait? Ah, d'accord. Et tu veux parler? Il est cool, hein. Il est très sympa. Bah, en tout cas, il était là samedi dernier. Et puis, il avait fait un cirque en fait. C'était le tabac. Ah non, non, mais du coup, on va tous. J'ai hâte de les revoir, ça va être génial. On peut demander si tu veux. Ah, c'est beau. Il suffisait de me le dire. Sophie, qu'est-ce que tu... Ah. Vous êtes pas... Tu devais... Je te présente mon ami Peter. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une bonne question. Je suis la personne la plus immonde de la Terre. J'aurais dû faire confiance à Liam. Tu n'es pas immonde, Sophie, dis pas ça. T'es pas la plus immonde, à mon avis. Il y a sûrement pire que toi. Oh. T'avais parfaitement raison, Nina. Tout est de ma faute. Le problème vient de moi, de mes angoisses. Arrête. Ne sois pas si dure avec toi-même. Personne ne te reproche d'être prudente quand tu rencontres un homme. Mais il faudra qu'un jour tu arrives à surmonter tes peurs et à te jeter à l'eau. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je dîne avec Liam ce soir et je vais lui dire toute la vérité. Je vais lui avouer tout ce que j'ai fait depuis qu'on a commencé à se voir. Tu crois que c'est une bonne idée? Je peux pas espérer vivre une relation honnête avec lui si ça commence par des mensonges. Tu es sûre que ça ne tombe pas dans la catégorie des choses qu'il vaut mieux garder sous silence? Sophie, on veut pas te voir souffrir, c'est tout. Il faut que je le fasse. Il faut que tu lui dises la vérité. Je lui dis ce soir. Comment tu vas t'y prendre? On va dîner à la maison et j'y parlerai à ce moment-là. J'espère qu'elle sera pas en colère, qu'elle pensera pas que je lui ai menti pendant tout ce temps. Stop! Liam, c'est la meilleure solution. Regarde le bon côté des choses. Une fois qu'elle sera au courant, ce sera beaucoup plus facile de te révéler au public. Et je suis fière de te voir aller jusqu'au bout. Je n'ai pas vraiment le choix. Allez, viens là. Fais-moi un câlin, comme dans le bon vieux temps. Je te tiens au courant pour Sophie. Oui, je pense fort à toi, mon grand. Une bonne chance. Mmh.
C'est tellement chaleureux. Cette maison me donne envie de me blottir sous une couverture avec un livre. On venait souvent avec mes parents. Il y a un endroit où tu te réfugies quand tu as besoin de souffler. Forest Park. Il y a un vieux pont en bois entouré d'arbres dans la forêt. C'est là que je vais quand je suis stressée. Je m'arrête, j'écoute le ruisseau et là, tous mes problèmes s'envolent. C'est un endroit magique. À t'entendre, ça en a tout l'air. On a tous besoin d'un endroit où se réfugier. Exactement. C'est ce que cette maison représente à mes yeux. Le dîner nous attend. Oh, c'est magnifique. Oh, je savais pas que tu étais si romantique. Je l'ignorais moi-même. C'est vraiment délicieux. La cuisine, c'est loin d'être mon fort, mais j'ai un talent dingue pour trouver un bon traiteur. Écoute, Sophie, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais je ne sais pas trop de quelle façon... Tu en veux encore? Non, ça va, merci. Parfait. Oui, alors, il se trouve que, à notre première rencontre, je ne savais pas que les choses évolueraient dans... Attends, Liam, attends. Avant que tu n'ailles plus loin, il faut que je t'avoue quelque chose. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. C'est-à-dire? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais récemment traversé une rupture difficile? Et vous allez vous remettre ensemble. Quoi? Non, non, absolument pas, ça, non, jamais de la vie, non, voilà. Pour être honnête, cette histoire m'a fait souffrir plus que je ne veux bien l'admettre. Oui, c'était un joueur de football professionnel et notre rupture a fait les choux gras des médias, c'était... humiliant comme expérience, en toute franchise. Mes échecs amoureux ont fait le buzz sur Internet. Ça a dû être insupportable. Oui. Si j'ai un conseil à te donner, ne sors jamais avec quelqu'un de célèbre. Je ne commettrai pas cette erreur deux fois. Mais le pire dans tout ça, en fin de compte, c'est que... cet homme dont je croyais être amoureuse... s'est avéré être une personne complètement différente de ce que je pensais. Je m'étais trompée du tout au tout sur lui. À cause de lui, je suis plus capable de faire confiance à un homme aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, quand on s'est rencontrés, je me suis dit... waouh, il est trop beau pour être vrai. Et alors, je t'ai fait passer des petits tests pour me prouver que j'avais tort, que tu n'étais pas trop beau pour être vrai. Des tests? Oui, c'est très embarrassant. Mes amis t'ont fait subir un interrogatoire, moi qui débarque sans prévenir à ton déjeuner d'affaires. J'avais plus ou moins arrangé toutes ces petites choses pour me convaincre que ce qu'il y a entre nous est bel et bien sincère. Oh, et hier, la jolie blonde à qui tu parlais devant le journal, Tabitha, eh bien, je travaille avec elle et j'ai tout entendu quand elle t'a demandé de sortir avec elle. Arrête. Sophie, tu es la seule femme avec laquelle j'ai envie d'être. Oui, je le sais maintenant. Je sais aussi que j'aurais dû te faire confiance dès le début. Je suis vraiment désolée, Liam. Je vois vraiment pas quoi te dire d'autre. C'est tout? C'est ce que tu avais à m'avouer? Oui, tu dois me détester. Je ne te déteste pas, au contraire. Je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est beaucoup mieux passé que ce que je croyais. Si tu savais à quel point je suis soulagée de t'avoir avoué la vérité, j'ai été nerveuse toute la soirée. Toi aussi, tu avais quelque chose à me dire. Quoi? Non, c'est rien. T'es sûre? Oh, je suis désolée, j'ai l'impression de t'avoir coupé dans ton élan. Non, c'était pas important, c'est rien. Je te resserre. Volontiers. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il y a pour le dessert. Dis-moi, qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu étais censé lui dire toute la vérité. Le joueur de football avec qui elle était fiancée lui a brisé le cœur et presque tout le pays était au courant. Elle s'est jurée d'éviter les hommes célèbres à l'avenir. Comment elle réagira, à ton avis, quand elle saura qui je suis? Je peux pas lui dire de but en blanc, Jackie. La révélation est prévue pour demain soir. Tu n'as plus le temps. On n'a qu'à la remettre à plus tard. Impossible. Arrange-moi un rendez-vous avec les éditeurs. Je leur demanderai d'annuler la révélation. Ils ne vont pas se laisser convaincre facilement, Liam. Je trouverai un moyen de les convaincre. J'ai pas le choix. Je peux pas faire ça. Malheureusement, ce sont les grands ponts qui décident et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais supprimer la rubrique littéraire,
Ça n'a pas le moindre sens. Ils veulent plus de contenu sur les films et les jeux vidéo. Ils veulent même qu'on crée une nouvelle rubrique sur les people, c'est dire. Les critiques littéraires ne sont pas assez croustillantes. Écoute, j'ai toujours volontiers joué le jeu, Phil. J'ai couvert la musique, le cinéma, tout ce que tu m'as demandé. Mais tu sais que ce qui me passionne, ce sont les critiques de livres. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint le journal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un business. Il y a beaucoup de gens qui lisent, tu sais. Bon, d'accord, c'est une industrie en pleine mutation. On abandonne la rubrique livre. Je regrette, mais c'est comme ça. Dans ce cas, je ne suis pas sûre de vouloir rester. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. C'est une décision que tu es la seule à pouvoir prendre. Mais fais vite, j'ai un journal à faire tourner. Alors, tu penses pas que j'ai eu tort ? Pas du tout, mais c'est un grand bouleversement. Je suis terrifiée. Mais je crois que c'est ce que je veux. Comme tu disais, c'est ça le plus important. Alors, tu as raison de partir. Je vais suivre mon instinct. Après tout, ça a bien marché avec toi hier soir. En effet. Écoute, il se trouve que je dois me rendre à New York pour un rendez-vous. Je suis sur les dents, je dois partir dans quelques heures. Tu as un rendez-vous à New York ? J'ai un souci à régler, une histoire de contrat, mais je dois être là en personne. Et tu pars combien de temps ? 24 heures, je reviens demain. Eh bien, tu serais éventuellement partant pour qu'on passe la soirée ensemble ? On peut se retrouver en fin de journée, vers 17h30. Oui, d'accord. Je m'échapperai discrètement du journal plus tôt. Bon voyage. Je te laisse. Au revoir. Au revoir. Waouh, qu'est-ce que c'est romantique! Un dîner aux chandelles, rien que ça! Oui, c'était très romantique. Il a dit qu'il était en train de tomber amoureux de moi et il m'a embrassé. Waouh! Et tu sais, le mieux dans l'histoire, c'est que j'ai confiance en lui. Ah oui? Ça vient pas du fait qu'il ait réussi mes tests, au contraire. Ça vient plutôt du fait que je me sens horriblement coupable de lui avoir fait subir tout ça à la base. J'aurais jamais cru que je ressentirais ça pour un homme à nouveau, mais il n'arrête pas de me surprendre. C'est génial ce qui t'arrive. Ça me fait tellement plaisir pour toi. Il est à New York pour son travail pour une seule journée et tu vois, il me manque déjà. Je suis bien qu'une ado de 15 ans. Toi, tu es amoureuse. Allez, assez parlé de ma vie amoureuse. Voilà, je voudrais te montrer quelque chose. Je l'ai terminé hier soir, alors tu dois me promettre d'être indulgente. Le livre et l'écrivain.com. Qu'est-ce que c'est ? Mon entreprise. Ton entreprise ? Tu quittes le journal ? Je parlais de mon travail avec Liam l'autre jour et il m'a dit que je devais suivre mes rêves et faire ce que je voulais. Alors voilà, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je trouve que c'est fantastique. Je vois mon rédacteur web tout à l'heure pour mettre le site en ligne. On dirait que Liam a une bonne influence sur toi. Dis-moi comment tu te sens. Je suis nerveux. Moi aussi. Tu n'es pas censé l'admettre devant moi. Je ne vais pas prendre de gants avec toi. Ces gens sont de vrais requins. Ils ne se soucient pas assez de toi pour accepter ta demande. Il n'y a que peu d'espoir, donc je vois. Merci pour ta franchise. Liam, Jackie, ravi de vous voir. Alors, êtes-vous aussi satisfait que nous des ventes du roman ? Oui. Il y a de quoi l'être. Bon, asseyez-vous. Dites-moi. Que pouvons-nous faire pour vous ? Eh bien, avant tout, merci de nous recevoir. Nous sommes toujours présents pour nos auteurs. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais pour des raisons personnelles, je vous demanderai de bien vouloir envisager de remettre à plus tard l'annonce me révélant comme étant Gabriel Auguste. Vous savez que la révélation doit avoir lieu ce soir ? Ah, j'en ai conscience et je révélerai évidemment qui je suis un jour. Un autre jour que ce soir, je vous donne ma parole. Nous n'avons pas besoin de votre parole, Liam, parce que nous avons un contrat qui nous le garantit. Oui, je veux seulement que l'on reporte la révélation de quelques semaines. Liam a besoin de plus de temps, ce n'est pas déraisonnable. Jackie, il a déjà annulé une première fois. Nous avons tout organisé autour de la sortie du roman. Nous avons élaboré un plan marketing, sans oublier les considérables efforts et sommes d'argent investis dans la révélation de son identité. Et vous imaginez bien qu'une fois que ça aura eu lieu, la vie personnelle de mon client va subir une pression énorme. C'est une question de semaine, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Liam ? Oh,
La réponse est non. Je suis désolée. Je me suis battue pour toi, mais la machine est lancée et trop avancée pour tout arrêter aujourd'hui. La révélation aura lieu ce soir. Je commence sérieusement à haïr Gabriel Auguste. Mais il faut que tu parles à Sophie. On a prévu de se retrouver à 17h30. Oh, le timing va être très serré. Ça va aller. D'accord. C'est bon ? Tout est clair pour ce soir ? La librairie Jasper, 19h30. Non, on va plutôt dire 19h. Je veux éviter que ma tension artérielle n'explose. Monte sur moi. Mauvaise nouvelle ? Elle a un empêchement au journal, elle vient d'annuler. Qu'est-ce que tu vas faire ? La trouver et lui dire la vérité avant 19h. Je suis sûre que ça va aller. Tu m'appelles, d'accord ? Tu me tiens au courant ? Ici Sophie, dites-moi ce que vous avez sur le cœur après le bip. Oui, Sophie, j'ai eu ton texto, je suis de retour et il faut que je te dise quelque chose. Je préférais te le dire en face, alors appelle-moi dès que tu auras ce message, d'accord ? Oui, je sais, mais écoute, s'il a dit que tu pouvais pas le citer, tu ne peux pas le citer, point. C'est le béaba du journalisme. Ouais. Ok. D'accord, tu me tiens au courant, surtout. Désolé de t'avoir fait attendre. Il fallait que j'évite un procès à un de mes journalistes. Je t'écoute. Je voulais t'annoncer qu'aujourd'hui, ce sera mon dernier jour. Ton dernier jour ? T'as décidé de partir ? Je vais lancer mon propre site, où je pourrai écrire uniquement des critiques sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Et on peut gagner sa vie comme ça ? Ça risque de me prendre quelques mois pour attirer un nombre suffisant d'annonceurs, mais je vais tenter ma chance. Bon, je suis désolé de te voir t'en aller. J'avoue que je suis un peu jaloux. Avoir la chance d'écrire sur des sujets de son choix qui peut rêver d'un meilleur job. Tu m'en veux pas trop, alors ? Quoi que tu fasses, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je te remercie pour tout. Inutile que j'essaie de te convaincre de me montrer ta gratitude en m'écrivant un article sur la révélation de Gabriel Auguste. En effet, je couvre l'événement pour mon site. Appelez Sophie. Ici Sophie, dites-moi ce que vous avez sur le cœur après le bip. Alors on est en... Pour ça, il faudrait qu'on ait l'article à temps. D'accord ? Oui, si tu veux, je te le donne. J'en ai encore besoin. Tu peux me le rendre avant ce soir ? Ah, bonjour. Tabitha, c'est ça, hein ? Ah, ça alors ? Dites, l'autre jour, vous m'avez posé un lapin. Désolé, mais pour être franc, je ne vous ai jamais dit que j'allais venir. Vous travaillez avec Sophie Atkinson, non ? Vous la connaissez ? Oui, est-elle ici ? Non, elle est déjà partie, elle a démissionné. Elle a débarrassé son bureau il y a quoi, 20 minutes ? Est-ce que vous savez où elle est ? À la librairie Jasper, pour la révélation de Gabriel Auguste. Ah, merci. Allez, plus vite. Oui, c'est oui, exactement. Oui, exact. Excellente histoire, des personnages. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, oui. Allez, plus vite! Je t'appelle dans une heure, j'espère que tout s'est bien passé à New York. Eh ben non! Appelez Jackie. Mais enfin, tu es où? Je suis plus très loin. Retrouve-moi à la porte de derrière dans 5 minutes. D'accord. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Désolé, je peux pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle est ici. Comment ça ? Tu lui as encore rien dit ? J'ai essayé, j'ai téléphoné, envoyé des textos, je suis même allé au journal. Elle est dans la salle. Il est hors de question qu'elle la prenne en même temps que tout le monde. Du calme, respire, je m'occupe de tout. Toi, tu restes ici, d'accord ? Oh, Sophie, bonsoir. Jackie, bonsoir. Oh, c'est si excitant qu'il se révèle. Oh, en effet, oui. Et assez terrifiant, je vous l'avoue. Oui, j'imagine. Alors, est-ce qu'il... Il va se montrer cette fois. En fait, il est déjà ici. On va le voir pour de bon, alors. Oh, je suppose que vous êtes là pour couvrir l'événement pour le journal. Non, pas exactement.
Je ne travaille plus au journal. Je suis bien là pour couvrir la révélation, mais c'est pour mon propre site que je viens de mettre en ligne. À toutes mes félicitations. Merci. Et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre? Merci. Il est possible que je vous le rappelle. À ce sujet, qu'est-ce que vous diriez de voler un scoop à votre ancien employeur? Et qu'est-ce que ça impliquerait, au juste? Si je vous proposais de réaliser en exclusivité la toute première interview de l'homme que l'on connaît sous le nom de Gabriel Auguste. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Non, je n'ai jamais voulu t'induire en erreur. Et j'espère qu'on pourra... que l'on... Liam ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est incroyable ! Tu sais pas ce qui m'arrive ? Gabriel Auguste sera ici d'une minute à l'autre pour parler avec moi. Jackie m'a décroché une interview. Je serai bref. Il faut que je te dise ce que j'ai essayé de te dire l'autre jour. En fait, ce que j'ai essayé de te dire depuis un certain temps. Liam. Quand on s'est rencontrés, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Mais dans le bon sens du terme. Il y a ce petit quelque chose chez toi. Je me sens bien avec toi. Et plus on passait de temps ensemble, plus je voulais te dire ce qu'il faut que je te dise maintenant. Mais voilà, c'est devenu de plus en plus difficile. Liam, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu es la première chose à laquelle je pense en me levant le matin. Tu es la dernière chose à laquelle je pense avant de m'endormir. Et tu occupes aussi beaucoup mes pensées entre-temps. Alors voilà. Malgré le fait que ça fait bien longtemps que j'aurais dû te dire toute la vérité, je le fais là, maintenant. C'est pour moi que les gens sont là. Pour toi. Je suis Gabriel Auguste. C'est ça, et moi je suis J.K. Rowling. Enchantée, Monsieur Auguste. Nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. Le suspense touche à sa fin, mesdames et messieurs. Dans une minute, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir devant vous, pour sa toute première apparition, l'homme que vous connaissez sous le nom de Gabriel Auguste. Je suis désolée, je voulais pas que tu la prennes de cette manière. J'arrive pas à y croire. T'es sérieux? Je voulais te l'avouer plus tôt, j'aurais dû le faire. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je te le promets, c'est vrai. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Sophie, je t'en prie. Combien de fois tu m'as menti? Ton travail de consultant et Jackie Bilix qui serait ta cliente. Tu t'embrouilles pas avec tous tes mensonges? C'est trop, je peux pas. Non, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Ah oui, parle-moi, s'il te plaît. Attends, non, Sophie, je t'aime. Il faut que je sorte. Je voulais te le dire, je te le dis. Je vous présente Liam Bradley. Comment j'ai pu me faire avoir encore une fois? Tragedy, a vulnerable heart that shaped to you are a masterpiece. The cracks on the canvas, the lines on the face, the only hint, the only trace of the hurt that happened to you. That happened to you. Can't sleep, can't keep him from coming in the back door. Board up the heart and back up the tears and bury them. Yeah, you're walking on air, numb to my touch. How long have we been in darkness? Est-ce que tu tiens le coup? Je vais bien, je vous assure. C'est ce que tu réponds toujours. J'ai le site internet à gérer, alors je suis très occupée. J'ai encore du mal à croire qu'il t'ait menti pendant tout ce temps. J'arrive pas à croire que j'ai rien vu. Quand je pense que j'ai confié des choses sur Lola à ce type, il n'osera pas mettre tout ça dans son prochain bouquin, quand même. Je pense qu'il a déjà oublié jusqu'à notre existence, c'est vrai.
Il a l'air d'être un homme très demandé ces jours-ci. Je vais pas dire que Liam a bien agi, mais je comprends pourquoi il a fait ce qu'il a fait, vu les circonstances. T'es pas sérieuse? Pour autant qu'on sache, il se servait d'elle pour avoir une bonne critique. Peut-être qu'il voulait simplement qu'elle apprenne à le connaître en tant que personne et pas en tant qu'auteur célèbre. Je ne sais pas quoi dire. J'appréciais beaucoup Liam. Je cerne bien les gens, en général, je me trompe rarement. Harry, c'est pas ta faute. La seule fautive, c'est moi, pas vous. Il me reste de la tarte aux fruits de Lola, je t'en apporte. Il n'y a rien de mieux pour se remonter le moral. C'est gentil. Écoute, je sais qu'il t'a fait souffrir. Et si j'étais à ta place, je ressentirais sûrement la même chose que toi. Malgré tout, je reste persuadée qu'il tenait sincèrement à toi. Je sais plus où j'en suis, je sais plus quoi penser. Mais je suis au moins sûre d'une chose, j'en ai fini avec ça, terminé. Quoi qu'il y ait eu entre nous, c'est terminé. T'es sûre? Tu veux pas venir au ciné avec nous? J'offre le pop-corn. Non, j'ai prévu d'aller faire un tour à Forest Park. J'ai besoin de me changer les idées. Je vous remercie d'être aussi attentionnée avec moi. J'ai pas été de bonne compagnie ces derniers temps. Compte sur nous. On est là pour toi. Je te passe un coup de fil demain. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. J'imagine que t'es pas ici par hasard. Eh bien, je me souvenais que tu m'avais dit que tu adorais Forest Park. Que c'était magique. Que tu venais t'y réfugier. Et Nina m'a prévenu. Ne lui en veux pas, je l'ai appelée et je l'ai pratiquement suppliée de m'aider. Je voulais te voir une dernière fois avant de partir. Tu t'en vas? Je rentre à New York. C'est trop dur de vivre à Portland sans toi. Et je peux pas redevenir anonyme. Mais j'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci à la façon dont les choses s'étaient passées entre nous et... Et quoi? On a tous les deux fait des erreurs. Quand on s'est lancé dans cette histoire, on était vulnérables, l'un comme l'autre. Mais d'un autre côté, on n'avait jamais ressenti ça pour personne, tu le sais. Sophie, si tu trouvais la force de me pardonner, je suis sûr qu'on pourrait surmonter ça. Je t'ai déjà pardonné, Liam. Alors tu vas nous donner une autre chance? Depuis ta révélation... Une partie de toi appartient au monde. Que ça te plaise ou non, ils te lâcheront jamais. Je suis déjà passée par là et... Je t'ai dit à quel point ça s'était mal fini. Je ne suis pas lui. Je suis Liam Bradley. Et je suis amoureux de toi. Non. Je peux pas me relancer là-dedans. Je suis désolée, c'est trop dur. Dans l'avion, le soir de notre rencontre, tu m'as dit que Sous un ciel étoilé était un bon roman parce qu'il était sincère. J'ai sûrement dit beaucoup de choses ce soir-là et je suis désolée si j'ai été... Non, 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 ne t'en fais pas pour ça. J'ai passé ces dernières années à prétendre que j'étais pas Gabriel Auguste. Que je valais mieux que ça. Que j'étais en fait le genre d'écrivain qui parle de gens authentiques, de la vraie vie dans ses romans. Quoi de plus authentique qu'une histoire d'amour sans une fin heureuse? Je dois y aller. J'ai un avion à prendre. Au revoir, Sophie. Attendez-moi. J'arrive. Oh.
À cet instant, il était seul et perdu. L'instant suivant, elle apparut, s'asseyant sur le siège vide à côté de lui. L'auteur? On peut dire ça, oui. Vous voulez bien me signer un autographe? Avec plaisir. Ah, on vous pique votre taxi. Oh, tant pis, j'en prendrai un autre. Je pense que tu vas aimer, c'est mon cas. Ah, c'est la première fois que je t'entends dire ça. C'est pas coucher de soleil sur Vienne? Ah, tu as remarqué. Et tu as signé ce manuscrit de ton vrai nom? Aucun détail ne t'échappe. Ah, je sais que je ne vais pas du tout aimer la réponse, mais... Où est coucher de soleil sur Vienne? En centre. Liam, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Écrire quelque chose qui soit sincère et authentique. Un roman en lequel je crois et sur lequel je suis fier de mettre mon véritable nom. Bon, on dirait qu'il faut se préparer à un nouvel affrontement avec Harry Skinsfield. Tu es d'attaque? Plutôt deux fois qu'une. Je suis impatient que tu le lises. J'adore te voir comme ça, tu sais. Enthousiaste et passionné. Ça faisait longtemps. Je me sens bien. Je fais au mieux, on va dire. Je suis très content de mon travail. Des nouvelles de Sophie? Non. Bon, laisse-lui le temps. Tout est possible. Vraiment, tu en es sûr? Mais j'en suis sûr. Bon, il faut que je te laisse. Tu me diras ce que tu en penses. Hein? Oui, compte sur moi. Retour à Forest Park, par Liam Bradley. C'est moi. Annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et réserve-moi un billet sur un vol pour Portland. Dans l'Oregon. Merci. Je suis persuadée qu'au pluriel récital prend un S. Des récitaux, non? Ce serait logique, oui, mais hélas... C'est toi le boss. Tu en es où de la critique des chroniques de la vérité? Est-ce que ça avance? On ne bouscule pas les génies. Donc, est-ce que la critique des chroniques de la vérité avance? Jackie? Bonjour, Sophie. Ça, alors, je m'attendais pas. Je ne voudrais surtout pas vous déranger, mais vous avez une minute. Oh, je suis très impressionnée. Je le fais par passion. J'ai beaucoup plus de travail qu'au journal, évidemment, mais j'adore mon nouveau patron. Et comment allez-vous, sinon? Ça a pris du temps, mais je sens que je vais bien maintenant, ça va. Ça me fait plaisir de l'entendre. Je suis très contente de vous voir, Jackie, mais je suppose que vous vous êtes déplacée jusqu'à Portland pour une raison bien précise. Sophie, Liam est toujours amoureux de vous. Waouh, on peut dire que vous ne tournez pas autour du pot, vous. Eh bien, je préfère dire ce que je pense, et je suis sûre que vous, plus que tout autre, appréciez cela. C'est Liam qui vous a demandé de venir? Oh non, il me tuerait s'il savait où je suis. Est-ce qu'il va bien? Il va mieux, en tout cas. Les premiers mois ont été difficiles. Il lui a fallu du temps pour s'y faire. Oui, ça j'imagine. Je vois d'ici toutes les femmes se jeter sur lui. Mais il n'y avait qu'une seule femme dont l'opinion comptait pour lui. Et elle n'était pas à New York. Pourquoi êtes-vous venue jusqu'ici? Écoutez, vous lui manquez énormément. Et je suis persuadée que lui vous manque au moins tout autant. Ne dites pas le contraire. Et je me suis dit que vous voudriez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Son nouveau roman. Ah oui? Un nouveau roman de Gabriel Auguste? Un nouveau roman de Liam Bradley. Son premier, devrais-je dire. Retour à Forest Park. Il a suivi vos conseils. Il a écrit un livre sincère. Un livre auquel il croit vraiment. Un livre qui vient du fond de son cœur. Et qui est dédicacé à quelqu'un qui représente beaucoup pour lui. Au revoir, Sophie.
Sophie qui a ouvert mes yeux et mon cœur. Nous avons enfin donné un visage à Gabriel Auguste. Et vous voulez qu'on s'en débarrasse? Oh, ce ne sont pas les termes que j'emploierais. Mais oui, c'est précisément ce que nous voulons. Donc le roman qu'il est contractuellement obligé de nous fournir ne sera pas signé Gabriel Auguste? Il se trouve que si vous relisez les termes exacts de ce contrat, vous verrez que c'est en fait Liam Bradley qui vous doit un roman, et non Gabriel Auguste. Gabriel Auguste est Liam Bradley. Liam, où est... Coucher de soleil s'en viennent. Les cendres sont peut-être encore dans la cheminée à Portland. Je ne crois pas que cela vous aidera beaucoup, mais nous pensons que vous allez adorer le roman de Liam Bradley. Ted, je sais que vous avez une entreprise à faire tourner, que vos bénéfices sont issus du résultat net. C'est exact. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous. Je suis une grande fan des études de marché et j'en fais faire pour les romans de mes clients. Et pour être tout à fait honnête, Ted, j'ai trouvé le nouveau roman de Liam émouvant et incroyablement captivant. Alors j'ai commandé une étude de marché à un cabinet marketing et les résultats sont sous vos yeux. Le livre a eu la meilleure évaluation de tous les romans qu'ils ont testés jusqu'à aujourd'hui. Les études de marché n'ont jamais été une garantie de succès. C'est le business du livre, Ted. Ne me parlez pas de garantie de succès, enfin. Vous n'aurez pas mieux que cette étude. Je vais vous résumer ça. À partir de maintenant, Gabriel Auguste, tel qu'on le connaît, n'existe plus. Liam Bradley existe, lui. Et pour être honnête, j'ai l'impression que je n'en suis qu'au début. Je veux Harry Skinsfield à mes côtés pour cette nouvelle aventure, mais que ce soit avec ou sans vous, je compte bien aller de l'avant. Désolée. Non, tout va bien. Je peux pas m'empêcher de me sentir fautive. Si je t'avais pas présenté Liam, tu lui aurais jamais parlé de Lola et... J'arrive pas à croire qu'il en ait parlé dans son livre. Tout va bien. Non, c'est pas correct. Sophie, je lui ai donné mon accord pour qu'il parle d'elle. Liam m'a téléphoné et il m'a demandé ma permission. Tu as parlé à Liam? C'est quelqu'un de bien. Je sais que votre relation a été compliquée, d'accord, mais c'est un type formidable. Et il a fait de moi un bel homme. Je suis sexy, comme je lui avais demandé. Il t'a décrit tel que tu es. Et ce roman, qu'est-ce que tu en dis? Il est magnifique. Il est subtil. Il est très drôle, mais... d'une tristesse. Ça lui ressemble. Je vais te dire, quand tu sortais avec James, je voulais pas me mêler de ta vie. Je me disais que tu savais très bien ce que tu faisais et que tu n'avais pas besoin de moi. Et je me suis plantée sur toute la ligne. Je dirais pas que je suis un expert dans le domaine des relations amoureuses. Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Une seule et unique femme de toute ma vie. Tu avais trouvé l'amour de ta vie. Ça, je le sais aujourd'hui. Mais à l'époque où Lola était encore avec nous, c'était pas toujours tellement évident. Aimer quelqu'un, c'est difficile. Il faut travailler très dur pour que ça fonctionne. Oh, j'ai fait un paquet d'erreurs, et elle aussi. Il y a eu des moments où on était déçus l'un par l'autre, hein. On s'est dit des choses qu'on a regrettées ensuite, mais... on n'a jamais laissé quoi que ce soit se mettre entre nous. Même si on avait le sentiment que tout était perdu à ce moment-là. C'était pas le véritable amour parce que c'était facile. C'était le véritable amour parce qu'on a tout donné. On s'est battu pour que ça marche. Je sais pas ce que je suis censée faire. Tu es la seule personne à avoir la réponse. D'accord. Je crois que ça va être... Ah, tu es là. Ça va.
d'accord. Va devant. Ça y est, on y est. J'ai apporté le roman, moi. J'espère qu'il prendra le temps de faire des dédicaces. Je suis fan, j'ai adoré tous ces livres. J'ai apporté le mien aussi. Une minute. Bien. Alors, est-ce que mon auteur est enfin satisfait? Tous ces gens sont venus pour te voir. Pour voir le vrai toi. C'est grâce à toi. Tu as rendu tout ça possible. Je suis très touchée, mais tu sais autant que moi que je n'ai pas grand-chose à y voir. Tes parents, Liam, ils auraient été tellement fiers de toi. Tu crois ça? Non, je le sais. Bon, est-ce que tu vas me forcer à te traîner sur scène par la peau des fesses encore une fois? Non. Ça ira. Cette fois, je suis impatient d'y monter. Je vous en prie. Tu vas leur en mettre plein la vue, mon grand. Merci à tous d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je me rends compte que c'est assez inhabituel, mais nous avons une grande nouvelle à partager avec vous. Vous avez récemment découvert ce jeune homme quand il a été révélé comme auteur des romans de Gabriel Auguste. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer la nouvelle direction que prend son œuvre. Il va venir lui-même vous en parler. Mesdames et messieurs, Liam Bradley. J'adore écrire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours gribouillé des histoires. Et puis, j'ai eu la chance de trouver des gens qui, comme vous, manifestent l'envie de lire ce que j'écris. Mais pendant longtemps, j'ai préféré rester dans l'ombre. Eh bien, je suis ravi et... entre nous, assez nerveux, de vous dire que ces temps sont révolus. Mon nouveau roman s'intitule « Retour à Forest Park » et, comme vous le voyez, le nom sur la couverture est le mien. Oui, monsieur? Vous allez continuer à écrire des histoires d'amour dans le style Gabriel Auguste, mais sous un autre nom? Pas du tout, non. Il y a des éléments de romance, oui, mais ce livre-là est différent. C'est plus un récit initiatique qui parle d'un homme qui découvre enfin qui il est. Il est autobiographique? Je refuse de répondre à cette question au motif qu'elle est incriminante. Disons simplement qu'il est sincère. Oui? Est-ce que cela implique que vous n'êtes plus sous contrat avec Harris Kingsfield? Non, j'ai le plaisir de continuer à travailler avec Harris Kingsfield. Ils ont été d'un incroyable soutien et j'espère collaborer avec eux encore longtemps. Monsieur Bradley, à vous entendre, il semble que Retour à Forest Park est plus personnel que vos romans précédents. C'est exact. J'ai beaucoup appris au cours de l'année passée et j'espère que cela se voit dans mon livre. Je dirais que c'est le roman le plus personnel que j'ai jamais écrit. C'est sûrement difficile de se retrouver sous les feux des projecteurs de cette manière. Craignez-vous que cela finisse par vous changer? Le changement n'est pas forcément mauvais. Je sais que j'ai beaucoup changé dernièrement. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, mais j'ai enfin appris à me sentir bien dans la peau de Liam Bradley. Je suis tel que vous me voyez là. Vos fans peuvent-ils compter sur vous? Je promets à mes fans que je ne ferai jamais rien qui puisse leur faire du mal. Parce que certains d'entre nous ont de sérieuses difficultés à accorder leur confiance de peur qu'on les fasse souffrir. Je suis prêt à faire tout mon possible pour les aider. Serez-vous assez patient? Absolument, oui. Ça risque de prendre du temps. Ça ne me pose pas de problème. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais employer chaque jour du reste de ma vie à montrer à mes fans à quel point je les aime. Hey, tenez-vous prêt à faire une photo? Faut surtout pas rater ce qui va suivre. Ok. C'est en tant que fan de Liam Bradley que... je dis que je suis vraiment impatiente de lire le prochain chapitre. Ne t'occupe pas d'eux. La seule chose qui compte se trouve ici.